Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à brancher un télérupteur. Alors le télérupteur permet de brancher plusieurs interrupteurs et faire fonctionner de la lumière. Pour cela, j'ai récupéré un vieux cordon qui permet de faire l'alimentation du télérupteur. Logiquement, tout ceci se passe dans le tableau électrique. Donc, de cette alimentation, nous allons arriver sur le télérupteur. Sur le télérupteur, nous avons donc une borne appelée 1, une borne appelée 2, une borne appelée A1 et la dernière appelée A2. L'entrée 1, c'est l'entrée de l'interrupteur à l'intérieur du télérupteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le télérupteur est activé, la sortie 1 va arriver sur la sortie 2. Donc de la sortie 1, nous allons brancher notre alimentation. De là, nous allons aussi récupérer l'alimentation du télérupteur, du poussoir. Voilà. La sortie 2 va nous permettre de brancher la lampe. Je branche le retour de la lampe. Voilà. Il nous reste donc à brancher la sortie A1 et l'entrée A1 et la sortie A2. L'entrée A1, ça va être le retour du poussoir. Et la sortie A2, ça va être un neutre. Nous allons brancher le retour de la lampe, le neutre de la lampe et le neutre de l'alimentation. Voilà. De là, je vais brancher mon circuit. Et dès que j'active le poussoir, ça fonctionne. À partir de là, si vous désirez brancher de multiples poussoirs, il vous suffit de reprendre l'entrée rouge et la sortie violette et de rebrancher un autre poussoir. Au revoir.